Et salut à tous, bienvenue à tous donc pour cette nouvelle vidéo sur du RX avec un championnat du monde donc qui bat son plein actuellement avec vraiment des belles têtes d'affiche cette année telles que Sébastien Loeb et Ken Block et puis surtout un championnat un peu plus visible aussi pour nous français. Et donc du coup j'ai fait une vidéo sur Dirt Rally car c'est vrai que le RX et puis en plus sur Dirt Rally est absolument parfait. Je n'ai cessé de le répéter depuis que j'ai Dirt, hein, ça va faire un an, avec un championnat du monde RX, hein, vous le savez, qui est vraiment au top du top. Alors c'est vrai qu'il n'y a que 3 circuits, Dirt fait beaucoup de choses, hein, donc avec que ce soit la course de côte ou que ce soit le rallye normal, le RX donc est un plus et le championnat du monde est complet, donc que ce soit avec les voitures, que ce soit avec les pilotes. Après c'est vrai qu'il nous manque quelques courses, ça serait bien d'avoir l'intégralité du championnat, pourquoi pas pour faire une petite saison là-dessus. C'est vrai que c'est fort sympathique avec vraiment des courses très très disputées et une conduite quand même relativement pas si simple que ça, relativement difficile. Et quand on passe de F1, hein, c'est vrai qu'il est tourné très arcade, c'est à chaque fois le problème de passer sur un jeu et sur l'autre. Et bien que ça soit Race Room, F1, Projet de Cars ou même Dirt, la conduite est complètement différente à chaque fois, surtout Dirt qui est peut-être la simulation auto la plus difficile actuellement. Alors je sais pas comment font les gamers sur console tout simplement, hein. Je sais pas si le jeu a été un peu, on va dire, adouci sur la PS4 et la Xbox One pour jouer à la manette. Je vois pas comment on peut jouer à la manette à ce jeu. C'est vrai que déjà au volant c'est assez compliqué et c'est vrai que les sensations sont au rendez-vous, hein, parce que certes c'est compliqué, mais alors que c'est jouissif. Alors que là, sur cette donc spéciale en Suède, je vais pas prononcer le nom du bled parce que c'est assez imprononçable sur ce genre de pays. Donc c'est le World RX ici en Suède, sur un tracé que j'avais tout simplement jamais fait, puisque c'est un des tracés, je crois, qui est apparu lors des mises à jour, parce qu'avant il y avait que Leyden Hill en Angleterre et il y avait le tracé norvégien aussi qui aura lieu d'ailleurs ce week-end. Donc du coup j'avais jamais fait celui-là qui est très 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 compliqué, vous pouvez le voir, avec beaucoup de changements de direction, le côté terre et le côté asphalte qui s'enchaînent très rapidement, le circuit qui fait 1,2 km mais qui est très 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 difficile. Alors on va voir juste ensemble, hein, les points clés de ce tracé vraiment, alors que beaucoup de complications pour moi, vous le voyez, très très compliqué, surtout dans cette toute première manche. J'ai beaucoup de mal à m'habituer à la voiture, j'ai pas fait beaucoup d'essais parce que en ce moment j'ai pas beaucoup le temps de rouler énormément. Donc du coup je suis allé un peu, eh bien, on va dire, à capella et ça a été très 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 dur. Alors voilà, là il y a déjà une première partie après la ligne de départ arrivée, c'est cet endroit là qui est très 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 compliqué puisqu'on a une bosse mais juste derrière il y a un virage à droite et puis si vous le prenez un peu trop large, la voiture qui part complètement en tonneau, ça m'est arrivé. Ensuite vous avez vu, il y a le joker sur le côté et puis le tour qui s'enchaîne très rapidement, c'est presque très étroit, il y a vraiment presque très peu d'endroits pour doubler ici, donc c'est vraiment très compliqué. Puis là on attaque donc la partie terre avec un peu de dégagement ici, un virage ici, c'est compliqué à négocier. Puis alors là c'est un point critique aussi du tracé, la bosse et puis de suite derrière freinage et ensuite une grande courbe à gauche, ça m'a posé beaucoup de problèmes ici. Donc fin de cette première Q1 est très très compliquée. J'ai pris la DS3 Peter Sølberg, j'avais pris la Countryman la dernière fois et j'avais pris la Peugeot 208 à Sébastien Loeb et David Ginet. Et là donc du coup j'ai pris la DS3 que j'ai préféré le Countryman personnellement. Donc deuxième manche et vous allez voir que de suite ça va très très vite. Alors déjà en rallycross faut jamais louper le départ. En plus c'est à cet endroit là, vous allez voir, c'est très compliqué puisque vous avez vu derrière la bosse il y a immédiatement ici le virage à droite, virage à gauche, vous avez vu il y a le tour joker sur le côté droit et ici on attaque avec un espèce de S, une chicane, on peut appeler ça comme on veut, sur l'asphalte et puis après voilà on repart sur la terre. Donc c'est vraiment relativement très très compliqué, le tour joker aussi qui est un serpentin très très compliqué à négocier aussi pour perdre bien entendu le minimum de temps et il peut vous en faire gagner aussi parce que quand on n'arrive pas à se débarrasser d'un adversaire en rallycross bien souvent le tour joker, eh bien, vous permet donc ce petit dégagement de gagner le temps nécessaire pour lui passer devant, donc c'est vraiment un sacré atout. Alors que là j'ai réussi à virer en tête et vous le voyez, hop, ce virage très très compliqué, la voiture vous l'avez vu qui a tendance à partir un tout petit peu et là voilà le tour joker, le fameux dégagement avec voilà, cette chicane très étroite.
avant de repartir ici bien plus lancé que sur le tracé normal et préservé. Donc là, du coup, on n'a pas perdu de place. On va revenir au championnat du monde, donc hein, avec ce qui se passe actuellement. Et c'est vrai que quand on a des ambassadeurs tels que Sébastien Loeb dans un championnat tel que celui-ci, qui est un championnat qui a beaucoup de renommée quand même, hein, qui est classé quand même FIA, et où il y a notamment énormément de monde qui viennent affluer sur les tracés le week-end. Eh bien cette année, néanmoins, quand même avec la présence de Sébastien Loeb et de Ken Block, notamment Sébastien Loeb pour nous Français, c'est vrai que ça nous a permis d'avoir un peu plus de visibilité sur ce championnat, finalement, qui était quasiment inconnu pour la plupart des gens. Là, on le retrouve sur la TNT, alors qu'il y a une voiture sur le toit, on le retrouve sur la TNT, sur l'équipe 21, quasiment en totalité, et ça c'est très très bien, parce que c'est franchement un pur régal de regarder du rallycross, que ça soit à la télé, j'imagine même pas en vrai, mais c'est un pur régal, on sent qu'il y a beaucoup de puissance dans les voitures, c'est l'une des seules disciplines de la FIA où il y a possibilité de se rentrer dedans et où il n'y a aucune pénalité, où les collisions sont acceptées. Et donc du coup, eh bien, c'est un spectacle vraiment, vraiment très très sympa, vu que les manches elles vont très très vite aussi. Parce que vous le savez, vous avez une Q1, une Q2, une Q3, une Q4, c'est un peu des matchs de poule, on va dire. À partir de tout ça, il y a des points qui sont décomptés, et à la fin, on garde que les 12 meilleurs. Et après, sur les 12 meilleurs, il y a une demi-finale, et on gardera que les 6 meilleurs, la voiture qui est encore là. Et les 6 meilleurs, donc, pour la toute finale. Donc à chaque fois, vous marquez des points. Et à la fin, pour arriver et être le numéro 1, on a vu. Alors, dans Dirt, il n'y a pas la fameuse Audi, la Audi 1 Quattro, qui est arrivée du coup cette année. Et donc, du coup, elle n'est pas dans le jeu. Et c'est Mathias Elström qui a cette voiture et qui fait vraiment beaucoup de mal cette année avec. Le peu que j'ai regardé de manche, j'ai regardé sur l'équipe 2, j'ai regardé Hockenheim et j'ai regardé Leyden Hill. Donc et j'ai vu vraiment que l'Audi était très 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 performante. Alors qu'on revoit le départ ici, même très très impressionnante par rapport au reste du plateau. Alors même si au championnat du monde, Mathias Elström est en tête avec 105 points, juste suivi par Peter Solberg. Ce qu'il faut souligner, c'est la troisième place de Christopherson, mais surtout c'est la quatrième place de Sébastien Loeb, devant des personnes qui sont là depuis très longtemps en rallycross. Alors c'est vrai que la saison est encore longue, mais quand même, au bout de 4 courses, figuré quatrième de ce championnat du monde, Loeb est un extraterrestre. S'il fait une deuxième saison, ça risque de faire mal, parce que c'est vrai qu'il faut s'habituer, hein. C'est de la course, certes, mais c'est vraiment très 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 compliqué, parce que ça va déjà très vite. Vous avez pas, c'est pas de la F1 où vous vous dites « c'est bon, j'ai toute une course d'une heure et demie pour me rattraper ». Là, ça va très très vite, vous pouvez foirer, alors que là, vous voyez, je me fais sévèrement bouger. Là, vous pouvez rapidement foirer une ou deux tentatives. Ça, il n'y a que 4 tours, donc là, si vous avez déjà un mauvais départ sur un tracé comme celui-ci, où on a du mal à doubler, où j'ai eu du mal à certains moments à imprégner vraiment un rythme, eh bien c'est relativement très 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 compliqué de revenir. Donc c'est pour ça. Et après, sur les demi-finales, certes il y a 6 tours, mais pour accéder à la finale, après 6 tours également ça passe très vite, mais vu qu'il y a 6 tours et 6 adversaires et qu'il faut être dans le top 3, c'est encore plus compliqué. Donc quand on débarque, j'imagine que ça doit vraiment pas être évident. Donc du coup, pour l'instant, on a les deux grosses têtes d'affiche qui sont au sommet du championnat, hein, que ce soit surtout Peter Solberg, qui est vraiment une bête. Et puis ensuite, après, on retrouve des pilotes quand même chevronnés, on va dire, hein, que ce soit Häkkinen, qui est juste derrière Loeb, Backrud, Hansen, Eriksson, Larsson, Bomanis et Gené, qui est finalement très loin, hein, le coéquipier de Sébastien Loeb. Et puis moi, c'est surtout, pour moi, la plus grosse surprise à chaque fois. C'est quelqu'un comme Ken Block, hein, qu'on vénère énormément lors de ses Gymkhana dans les canaux de Los Angeles, là-bas, que ce soit avec sa super Ford Fiesta ou que ce soit avec cette Mustang énorme, mais qui en rallye finalement n'a jamais rien fait, hein, surtout qu'il avait franchement le potentiel à chaque fois, et alors que là, vous avez vu que j'ai failli m'y mettre sérieusement, et qui a à chaque fois des sponsors énormes, que ce soit avec Monsters ou quoi que ce soit. On sent qu'il a une précision de pilotage, mais qui en rallye n'a jamais rien fait, puis qu'il a visiblement en rallycross n'y est absolument pas non plus. On se rappelle de 2012 où Loeb était allé remporter à Los Angeles le World RX. Hein. Il y avait aussi à l'époque Ken Block qui était avec lui et qui s'était, je crois, il y avait eu un petit truc où il s'était foutu en l'air et Loeb avait passé la ligne d'arrivée très très loin devant la concurrence. Et bien là, Loeb, il nous montre quand même que voilà, il est au niveau de ce championnat du monde.
Magnifique championnat. Donc c'est pour les premières manches, hein. On a vu qu'il y a eu déjà la Belgique, l'Allemagne. Donc à Montalegre, c'était Solberg qui s'était imposé. Loeb avait terminé 5e lors de la finale, hein, avec Sida la finale. Après on a eu Hockenheim, hein, j'avais regardé la finale et la demi-finale sur l'équipe 21. Très très belle finale aussi, et puis là j'avais dit du mal, mais Ken Block avait terminé 3e, donc Ekström, Ekinen, Block, Solberg. Pas de Sébastien Loeb en finale, hein. Sébastien Loeb qui avait échoué 4e de sa première demi-finale. Leiden Hill, ça c'était le week-end précédent avec la victoire de Ekström et deuxième Solberg et Hansen. Loeb avait terminé aussi 5e de sa demi-finale. Et puis en Belgique, c'est la superbe seconde place de Sébastien Loeb devant Peter Solberg et toujours Mathias Ekström, premier également. Donc après, bien entendu, il y a les voitures, cette DS3 qui est aussi très impressionnante. Et après, il y a la Volkswagen aussi qui est quand même pas mal du tout. On l'a vu, c'était à Hockenheim, je crois, où il est arrivé aisément avec trois roues. Je me rappelle plus quel pilote c'était, il était en tête de sa session. Je crois que je vais essayer de retrouver son nom, je me rappelle plus très bien. Il était tout simplement, il a crevé. Pardon, et il a crevé, je crois que c'était Christopherson. Sur trois roues, il avait fait les trois derniers tours avant vraiment à la fin d'échouer et de se faire passer par Peter Solberg. Vraiment une course super impressionnante. Donc la Polo qui fonctionne a priori très bien, l'Audi qui fonctionne merveilleusement bien. Donc après, bien entendu, après les voitures se valent à peu près toutes. Mais sinon, voilà, encore une fois, félicitations à Sébastien Loeb. Donc la manche de ce week-end donc, en Norvège, hein, le circuit norvégien qu'on a vu la dernière fois sur la chaîne, avec un peu différent puisqu'il est presque vallonné, où il y a un point très bas du circuit, puis après ça remonte énormément jusqu'à la ligne d'arrivée. J'adore ce circuit, même plus que je pense que le circuit anglais encore. Donc c'est pour ça, pitié, on Codemasters, hein, pour ce merveilleux jeu, sûrement l'un des meilleurs de ces dernières années, niveau simulation auto, le calendrier avec tous les circuits, ça serait vraiment un rêve. Quitte à même, on sait en plus que les DLC chez Codemasters sur ce jeu sont gratuites, c'est vrai que ça serait absolument génial d'avoir la totalité du calendrier, que ça soit en gratuit, ou même s'il y a même une petite participation à faire, je pense que je la ferai aisément. Donc je vais vous laisser terminer cette vidéo sans moi. Hein. Vous le voyez, ça, c'est déjà très très compliqué, ça le devient de plus en plus là. Donc du coup, je vais vous laisser terminer et voir où cela va me mener. Pour l'instant, je suis qualifié pour les demi-finales. La réponse à la fin de cette dernière Q4 qui attribuera donc les dernières places et dispatchera les deux demi-finales. Et bien donc voilà, moi je vous dis à dimanche pour la F1 sur le magnifique tracé des États-Unis à Austin. Et puis on se retrouvera également pour la coop après, ça sera presque quasiment dans 2 semaines. Donc moi je vous dis bonne vidéo à tous, allez à très vite.